Pour maintenir la pression, les Français, là, c'est le moment. Que 3 points d'avance, on approche de la mi-temps. Il faut faire la différence. Ah, c'est maigre quand même, hein. Le chat est maigre, comme vous dites. Le gars est maigre, hein. Si. Kingston. Ah, 36 n'a pas pu contrôler cette balle. Benetton qui s'échappe et qui marque. Essai de Benetton. Accordé. Oui, oui, il a essayé. Oh, quel opportunisme. Il est clair, il est net. Le quatrième essai international de Philippe Benetton. 36 face à Rouma. Là, c'est pour Rouma. Rouma a gagné la balle. Voilà, c'est là que la difficulté va résider. C'est de garder la balle et de la libérer quand il faut. Nous sommes à 5 mètres, 2 mètres de la ligne de but irlandaise. Galtier. Nous y sommes, Galtier, là. Galtier pour le côté fermé. Nous fermé. Y sommes, petit côté. Enfin, j'essaie. Essaie de tirer la croix. Le deuxième essai français. Voilà, bon regroupement, bonne libération de balle. Un côté fermé, la croix engagée et qui marque. Et la balle est libérée pour Penaud, la croix directement là-bas. Ouais, ah, André, qui débarque. Saint-André un peu sur des bords, c'est un essai. Et qui marque. Essai de Saint-André. Ouais. Ah, il était à l'affût, il l'attendait. Formidable essai de Saint-André. Ah, c'est le turbo, hein. Allez, la remise va être pour Kingston. 15 points d'avance pour les Français. Il a choisi l'Irlandais, qui s'est d'ailleurs laissé prendre la balle par Benazi. C'est un mol puisque nous sommes debout. Et un côté fermé, joué encore avec Saint-André qui Galtier. Revient sur Galtier. Galtier pour Penaud. Penaud pour Sherwood. Il a remis à Gallard. La charge d'Armari. Peut-être l'essai des avants maintenant. Avec cette charge de Benazi. Essai. Essai à nouveau de Benazi. Non, il y avait Merle. Et il y avait Benazi qui était là. Et cet essai qui ponctue ainsi. Je vous disais que c'était un essai d'avant. J'étais jaloux les avants. Ça se pressentait.